Salut à tous les poppies, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Fort en Or et aujourd'hui on a fait les chevaliers. Voilà, maintenant on va faire chapitre 2, les vikings. Pillards, piller les pillards. Ma manière de penser ne mit guère longtemps à se répandre à travers tout Valknheim. Au cours de l'hiver suivant, un Hersir apparut dans le clan qu'on appelle la Grande Horde, résolu à fédérer son peuple. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Piller les pillards. Allez, c'est parti. Parfois, il naît un viking qui porte l'étincelle des dieux. Merci, tel est leur nom. Un nom qui rallie des armées. Sans peur, ni pitié. Né pour le combat. C'est le destin qui choisit l'heure de la mort d'un viking. Alors, à quoi bon les armures? Ou la peur? Lui, c'est un monstre, par contre. Alors, Hersir, on va choisir son aspect. Ouais. Ouais. Ok. Comme ça. Comme ça. Je le regarde bien. Honnêtement, comme ça, il est stylé. Parfait. Depuis l'attaque d'Apollyon. Depuis la famine. Les pires d'entre nous s'en sont pris aux leurs, comme des bêtes. Ils s'engraissaient sur le calvaire des siens. Ragnar était de cela. Festoyons! Et donc, je suis descendu des montagnes. J'ai rejoint la Grande Horde, et nous avons pris les mesures nécessaires. Oula. Nous étions venus régler le problème des nuisibles. Oh là 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 là, ça promet. On a longtemps pris les vikings pour une simple légende. Une histoire fabriquée de toutes pièces. Les démons du Septentrion. Mais il y a quelques siècles, ils sont revenus par-delà l'océan. Brûlez ce portail! Ne vous interposez pas. Ok. Brûlez-vous le portail. Brûlons-le.
Voilà. Qu'est-ce que je dois faire là? Brûler les édifices pour renverser. Ah. Pour la grande horde. Brûler les édifices et renverser les bras à zéro. Oui. Utilise objet à flasque incendiaire. Brûlez tout. Voilà. C'est bon. À manger. Tu vois. Viens, c'est pour ça qu'on est là. Trouvons ce qui reste pour notre peuple. Oh là là. Ils avaient volé les vivres de leur propre peuple. Nous venions les reprendre. Oh, c'est bien ça. Voilà. La victoire est proche. Arrive, Colipeta. Rendez-vous ou vous mourrez. Voilà. Mais bon. Ces vivres sont notre survie à tous. Défendez-les. Le Hercir disait vrai. Les vivres étaient là. C'est ça. Forcez-les, reculez. Puis les réserves de nourriture. Ah, enfumez-les. Ah, oh, merde. Je sais pas ce qu'il faut aller faire, mais... Enfin, on verra. Ah, c'est quoi ça? Une vaste forêt recouvrait jadis la vallée de Valkenheim. C'est nous qui l'avons abattu, avant le retour des Vikings. Ce faisant, nous avons mis au jour les ruines antiques de la Grande Horde. Imaginez notre surprise. Un autre Hercir aurait pu avoir pitié. Aïe. Voilà. Défendez-les. Nous les protégerons. Voilà. Tiens. Thank you.
Tiens. Tiens. Les Vikings gravent dans la pierre les exploits des héros pour rappeler que seule la gloire ouvre les portes du Valhalla. Mourir au combat, c'est une chose. Mourir en légende, en est une autre. Ah là, ben. Vous n'êtes pas forcé de mourir. Rendez-vous. Allez, on continue. Ragnar nous offre un beau butin. Le peuple n'aura plus faim. Non, on doit aller là-haut. Là-haut. Je venais pour Ragnar. Que se passe-t-il ici? Affronte-moi. Ah. Eh bien, entre donc. Voilà pourquoi j'étais là. Pour la grande horde. Aïe. C'est moi. Ah. Voilà. Il se casse. Putain. Je n'allais pas laisser Ragnar s'en tirer. Allez, viens là. Meurs donc, bon sang. Allez, viens. Halt.
partir en cendres. Allez, viens. Ah, ça fait mal, ça. Tu n'es qu'un monstre. Festoyer quand les gens meurent de faim. Toi et tes guerriers, vous allez apprendre à vivre comme nous. Vous nourrirez les corbeaux. Jeune imbécile. Autant me demander de devenir paysan. Nous sommes des Vikings. Donc ce nom... Valhalla. C'est toi le second. Rejoignez-nous. Nous sommes des vôtres. Il faisait plutôt peine à voir, mais c'était un début. Parfait. On continue l'histoire, la 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 la. La grande horde commençait à mériter son nom. Très vite, il ne resta que deux seigneurs à Valkenheim, le Hersir et une implacable tueuse nommée Siv. Comme beaucoup des chefs de la Grande Horde étaient pris en otage, le conflit fut inévitable. Diplomatie viking. La Grande Horde commençait à... Ok. On est bon, hein. L'œuvre de Siv. C'est de la barbarie. Je t'ai vu prendre des scalps. C'est différent. Attends ton signal. Bah ouais. Ces prisonniers. Voilà. Ça c'est fait, donc faut que j'aille en haut. Oui, je sais, merci.
Voilà. Tiens. Crève. Ah, ça c'est fait. Faut que j'aille où maintenant, là-bas? Voilà. Des vikings en cage. Inacceptable. Voilà. Je dirais que c'était le signal. Allez, on y go. Venait de commencer. Je veux leur tête. Voilà. Toi, dans la Grande Horde, laissez-moi rire. Tu parles trop. Ouais, montre-moi ce que tu sais faire. S'il avait ses troupes, l'armée m'avait manqué. À ta tombe, Ersir.
Voilà. Tout le monde respecte la loi du plus fort. Tu m'étonnes. À nouveau unis. Il était temps de libérer le reste de la Grande Horde. Stigander. Vous en avez mis du temps. Va en trouver qui ne veulent pas ta peau. Merci, Ersir. Ne me déçois pas, Jarl. Oh, je t'aime bien. Il était temps de faire valoir notre droit du sang. Mission terminée. Parfait. Parfait. C'est bien ça. Les Vikings faisaient maintenant front commun contre nous. J'avais laissé une partie de mes obsidiens garder les chantiers navals de Valkenheim. Stigander, leur nouveau chef, ne comptait pas nous les laisser. Bois, fer et acier. Allez, go. Certaines traditions de notre peuple sont aussi vieilles que la pierre. Nos solides boucliers se prêtent à bien des usages. Nos épées sont mortelles, d'une simplicité jamais surpassée. Et un chef qui ne mène pas la charge n'a rien d'un chef. On nous appelle les Jarls. Un nom qui se mérite. Nous sommes... Et nous resterons le bouclier de notre peuple. Ok, on va faire... Ouais. Stigander. Emilia avoir été capturé par Sif, Stigander est prêt à la potion à gagner son honneur. Ok. Il nous faudrait des navires. Et je brûlais d'envie de me remettre dans le bain. Allez, go. Voilà. Ouf. Oh là là. Elle est puissante. Par la barbe d'Odin. Invasion. Bellicum Carnite. Ces obsidiens n'étaient visiblement pas fichus de fortifier nos défenses. Ok. On doit ouvrir ce portail. Il fallait que j'ouvre ce portail. Et vite. Tiens.
Voilà. Ouf. Fait mal. Aïe. Tiens. Voilà. Tiens. Voilà. Gardez-moi quelques-uns de leurs casques. Je plaignais presque les chevaliers. Tournez leurs machines contre eux. Voilà. Allez, go. Voilà.
Aïe. Tiens, rien que pour ça. Voilà. Comme ça, tu te relèveras plus. Ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les samouraïs! Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Le pillage. Oui. Nous appelait. Parfait, on va s'arrêter ici les amis, hein, tranquillou. On a bien avancé. C'est bon ça. Prochaine mission, ça sera quoi? En quête, sinon de gloire, du moins de richesse, les Vikings se tournèrent vers leurs voisins par-delà l'océan. Les terres des samouraïs étaient gardées par un ancien fort maritime que les Vikings pensaient mal défendu. Ok. Le débarquement. Du coup, je vous fais de gros bisous les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Fort Honor. Bisous les amis.